Salut. Attends, baisse un peu la musique. Elle me crie dans les oreilles, je suis pas prêt du tout. Hop, on va complètement baisser ça. Voilà. Ça, je peux fermer. C'est encore super fort pour moi. Alors, je suis désolé, c'est mon premier live Twitch. C'est un vrai plaisir. Hop, je vais pas aller voir là-dessus. Hop, je vous bascule là. Je vous mets la scène qui est bien sûr pas réglée, ça c'est complètement professionnel. On va aller voir là-dessus. Et hop là. Voilà. J'arrive. Surtout, c'est que le début, c'est la première fois. Voilà, on est là. Je bouge plus. Eh ben, bonjour à tous. On est extrêmement bien. C'est un peu, c'est la première fois. Mais pour ceux qui ne me connaissent pas, Maxime, Business pour tous. J'ai fait petite chaîne YouTube. Je suis sur YouTube, je suis sur Instagram. Je suis sur Facebook aussi avec une chaîne. Je vous montrerai ça. J'ai fait là, un canal Telegram que je présenterai après. Et donc du coup là, je m'essaye un peu sur Twitch. Et comme ça, bah, je peux après vous montrer tout ça. Pour plus de plaisir. Alors, attends, je vais rajouter ça, parce que je crois que du coup, vous avez plus le son. Si je vois bien. Je dis pas de bêtises. Hop. Voilà. C'est un peu. Voilà, comme ça, il y a de la musique. Excusez-moi. Hop. Donc. Alors aujourd'hui, donc en fait le but de ma chaîne, ça va être donc faire ce que je fais tous les jours. Et du coup, bah, je vais vous montrer un petit peu ce que je fais, comment ça se passe, les derniers petits applets comme ça que je trouve, comment je fais avec System.io, comment je fais ma page Facebook, ce que je trouve sur Instagram, ce que je partage en fait tous les jours sur mon canal ou sur YouTube. Mais du coup, bah, là je me suis dit, mais en fait je vais partager en live. Et ça va être voilà, ça va être plus intéressant, ça va être marrant. Donc voilà, à voir. À suivre en tout cas. Qu'est-ce que j'ai des choses à faire? Ouais, j'ai ça que je pourrais mettre là. Hop. Et puis c'est parti. Donc voilà, comme c'était là, donc ça on trouvera sur YouTube, hein, pour les personnes qui n'arrivent pas à voir. Et puis c'est parti. Donc ce soir, moi je vais faire quoi? En ce moment-là, j'ai trouvé, si vous connaissez pas. IFTTT, vraiment incroyable ça comme site, ça existe aussi en solution sur mobile. Et en fait, du coup, ça permet de convertir, pardon, ça permet de convertir des signaux vers un autre logiciel. C'est-à-dire que là, il va automatiquement. Donc, par exemple, ici, j'ai mes photos Instagram. Donc, en fait, en gros, ma photo Instagram, quand je vais la publier, elle va partir directement sur mon canal Telegram. Je vais même faire plus fort, c'est-à-dire que je publie ma photo, elle passe sur ma page Facebook, elle passe sur LinkedIn, pardon, elle passe sur LinkedIn et après elle est envoyée sur Telegram. Donc là, IF3T ou IFTT, ça va me permettre de faire tout ça d'un coup, en fait, complètement automatiser ça. Et ça va juste être incroyable. Si vous êtes là avec le groupe Telegram, pardon, ou alors via la page Facebook, ben, en fait, elle est arrivée comme ça. Avec l'annonce live, ça veut dire que là, je vais aller voir les settings. En gros, if new stream. Donc en gros, quand j'ai lancé mon stream, et ben en fait, c'est parti sur Telegram Maxime que j'ai réglé et du coup la page Facebook, voilà, créer un statut business pour tous. En gros, ça s'est balancé tout seul, j'ai rien touché. Mais ce qui est encore plus fort, c'est que du coup, ça, enfin, en fait, il y a genre plus de 700. 700, 800 applications sur le site. Donc en fait, on peut vraiment faire masse de choses. Là, je suis en train de dessiner de la musique. J'ai la chaise qui coule. Je vais voir ça après. C'est récupérer en fait des flux RSS. Donc c'est genre des annonces ou des articles qui sont publiés sur des sites. Et après, bah, je peux les stocker, je peux les envoyer par mail, je peux les redistribuer. Enfin, je vais voir un peu après ce que je peux faire avec ça. Mais là, en gros, j'ai les articles. Celui-là, je sais plus ce que c'est. Attends, je vais voir.
En gros, là, mon article, il tombe. Ah, bah, c'est putain, je suis con. Là, c'est mon article de mon blog. Quand je mets un nouvel article, et eh ben pareil, il part sur LinkedIn, il part sur Telegram, et ça fait un nouveau post sur la page Facebook. Donc, en gros, maintenant, j'ai voilà, j'ai plus rien à faire, en fait. Juste, je publie ou je programme mon article. Et d'ailleurs, eh ben, en fait, ça part complètement tout seul sur tous les réseaux. Et ça, c'est vraiment complètement fou. Je vais baisser un peu encore la musique. Je sais pas si c'est trop fort. Ça, en fait, c'est juste complètement fou pour l'automatisation du système. Et là, tout à l'heure, ce que je voulais vous montrer, du coup, c'est pareil, hein, c'est avec le flux RSS. Mais par exemple, voilà, avec CoinTribune, ça, on va aller voir après. CoinTribune, donc en fait, c'est un blog ou c'est un site qui balance des actus sur tout ce qui est, tout ce qui est bah, Bitcoin, tout ce qui est crypto, tout ce qui est tout ça. En fait, donc j'ai récupéré le flux. Ça se trouve librement, hein, ça se trouve sur Internet. On tape le nom plus RSS derrière. Donc je récupère le flux. Et du coup, après, bah, je le mets dans un tableau. On va aller le voir, je ne suis pas allé le voir, ça se trouve, ça l'a complètement plu. Dans un tableau, et après, il me l'envoie par mail. Donc alors, attends, je vais faire une autre page. Hop, que je vous mets pas. Je vais dans une autre page comme ça, je peux ouvrir mon Google, mon Drive. Je fais ça rapide. Hop. Donc en fait, voilà, j'ai mis un Google Sheet avec tous les. Ah, c'est bon. Je mets ça en grand. Est-ce que je peux changer la scène de scène? Faut que je me familiarise un peu avec l'histoire. Là, hop, voilà. Donc en gros, ils arrivent là-dedans automatiquement. En fait, dès qu'un nouvel article, comme on a vu, dès qu'un nouvel article est publié, bah, il tombe dans mon drive. Voilà, Coin Tribune. Donc ça l'a créé tout seul. En fait, moi j'ai juste mis le lien de mon drive. Et après d'ailleurs ça tombe là-dedans tout seul. Voilà. Et donc là il m'a créé un Google Sheet. Je l'ouvre. Et là. Là bah du coup j'ai tous les articles. Alors, attends, je vais virer ça, l'image. Ouais, si je vais virer l'image. Du moins je vais la masquer. Comme ça la colonne elle sera mieux. On va faire ça bien, on va faire un beau petit tableau avec genre date, ça c'est quoi le titre, et lien, et après on s'en fout. Voilà, et donc là du coup, donc ça c'est tout ce qui est tombé aujourd'hui. Donc là j'en ai 13, 12 articles. Donc ça va, après en fait ça va juste être incroyable pour mon blog. Parce que du coup, ici, là, j'ai quelque chose qui parle de l'ADA. Donc, en gros, lui, il est capital risqueur d'Espagne, et de la communauté. Lui, rapide, rapide, il rachète la bourse. L'Inde, les échanges crypto pour éliminer la fraude fiscale. Ok, pourquoi pas. Israël, confisqué plus de 800 000 dollars en crypto. Elon Musk sur Mars. Ok. Livre blanc. Ouais, donc en gros, voilà, là, comme ça, on peut tout trouver. Et donc, moi, je sais pas, si jamais j'ai envie de mettre cet article-là, je vais le. Attends, je vais pas l'ouvrir comme ça. Là, je l'ouvre. Je clique sur le lien. Ici, j'arrive directement dessus. Donc, hop, les autorités ont confisqué plus de 800 000 dollars. Ici, je copie le lien. Après, moi, derrière, je peux aller dans mon canal Telegram. Attends, je vais en changer la source, du coup. Je vais dans mon canal Telegram. Et maintenant, bah, j'ai plus qu'à dire, bah, cet article-là, on va le planifier je sais pas, bah, pour lundi, on va le mettre demain. Pour demain à 7h. 7h30, allez, je vais le mettre tout de suite. À 7h30. Pim, et lui il part. Voilà, et là on voit que demain il y a ça, j'ai déjà des vocaux qui ont été planifiés. Voilà.
Mais du coup, plutôt incroyable ça. Plutôt incroyable parce que du coup, bah, j'ai pas fait toute la recherche. Mon article, il est tombé tout seul. Attends, j'en attends plein écran. Mon article, il est tombé complètement tout seul dans mon Google Sheet. Voilà, limite, après, ceux-là, bah, soit je les aime, soit je les aime pas, je peux les virer. Merde, j'ai pas changé la source. Ou alors, ça va être compliqué. Hop. Je peux les virer ou pas. Ce que je peux faire aussi. Alors, on va regarder comment on peut en faire un. Je vais rester là-dessus, sur RSS. Donc là, je clique sur créer. On va regarder ça après, je vais vous montrer un peu comment ça marche. Sur RSS. Et en gros, ici, soit là, c'est ce que j'ai moi sur mon blog. Soit ici, il trouve n'importe quoi. Et il me l'envoie. Soit ici. Et ben je dis, ben, je sais pas, je veux que ce qui. Que ce qui concerne le. Ben, je sais pas, je marque Bitcoin. Ou alors je marque que si j'ai un blog sur les animaux, et ben, je mets que ce qui concerne les chats. Et donc en gros, dans tous les blogs qui vont sortir, comme dans le titre, ça va être marqué chat, et ben hop, ce blog-là, il va me sortir. Il va me mettre de côté. Donc ça peut être super intéressant. En tout cas, moi là-dessus, je trouve que c'est plutôt pas mal et on va pouvoir faire d'autres applications que je verrai plus tard. Peut-être que je vous montrerai. Qu'est-ce qu'on a noté? Alors là, donc, du coup, c'est. Bon, l'arbre, il est comme ça. Hein. C'est IF3T parce que ça va être if this. Là, je choisis mon appli. En gros, s'il se passe ça, alors then that. Donc, il se passe ça. Et en fait, ça va être vraiment un arbre logique. Pour la faire courte, moi là je suis passé, j'ai 7 jours d'essai, je suis passé donc en pro, donc je peux faire 20 applets, et aussi je peux mettre plus de deux réponses, mais sinon solution en free, on peut en faire 5, donc c'est déjà pas mal avec 5, on peut déjà faire pas mal de trucs. Moi j'ai essayé déjà avec 5, c'est plutôt pas mal. Après j'ai voulu aller plus loin, puis j'ai fait ça il y a une semaine gratuite, je me suis dit je vais essayer comme ça, puis après on va. Donc voilà, donc en gros, si je fais ça, il se passe ça. On clique, c'est super intuitif en vrai, c'est super sympa. Je clique. Hop. Ici, il y a vraiment de tout. Tout, 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 tout. Donc il y a des trucs basiques, genre comme Facebook, et il y a des trucs plus. Je sais pas, plus recherchés ou que je connais pas du tout. Donc. Voilà, on voit du Facebook ou Instagram. Je vais descendre un peu, voir si on trouve des choses. Ici, il y a ça, bouton widget. Lui, vraiment, il peut servir à tout. En gros, quand on appuie sur ce bouton, donc ça passe un bouton numérique, hein, genre quand on appuie, bah, d'ailleurs, on peut, ça fait un trigger, d'ailleurs, on peut déclencher n'importe quoi. Voilà, on va prendre des motions, on a date et time. Moi, lui, je m'en suis servi dans un canal pour. Mettre que par exemple tous les jours à telle heure j'envoie un message. Donc ça le fait tout seul. On a Discord, Dropbox, on a même EDF. Tu vois, je pense que début de la plage tarifaire. Donc en gros, voilà, donc là on peut faire plein de choses. Et après, bah, je peux dire que je peux dire que par exemple, voilà, les plus simples, moi c'était ça quoi. Les plus simples que j'ai utilisés c'était Facebook. Facebook, Insta, en gros, même YouTube, voilà, quand je paramètre une nouvelle vidéo, dès qu'elle vient en ligne, et ben forcément, elle est redistribuée sur tous mes canaux. Ça, ben, c'est juste trop. Super intéressant, quoi. Mais voilà, moi j'ai bien aimé cette petite appli, quoi. Donc voilà, je tenais à la présenter. Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce que j'avais? J'avais ça, j'avais déjà 3 secondes, parce que j'avais des trucs à faire. Ça c'était ok. Là je me suis amusé à reprendre les articles de Topito, voir si je peux les retourner ou faire quelque chose avec. Parce que du coup derrière, donc là je suis en train de faire mon. Je suis en train de faire là mon canal. Bah, tu vois, regarde. Hop, les articles Topito, ils tombent directement ici dans mon canal. Donc en gros, dès que Topito met un article en ligne. Et bien là, ça vient tomber dans le canal Telegram qui est fait pour. Voilà. Ici, j'ai fait un truc dans le même délire avec des résultats de foot. Donc en fait, j'ai chopé. Voilà, tout ce qui est
Actu News. C'est pas Actu News, c'est lequel? C'est. Ah non, merde, c'est pas sur cette page, pardon. C'est sur un autre site qui lui est gratuit. J'ai chopé tout ce qui est Actu de foot. Et donc, du coup, ça tombe tout sur ce site. Et comme ça, on va voir si je peux monter une communauté de footballeurs. Sachant qu'après, bah, du coup, voilà, avec le rappel de date et heure, bah, tous les jours, il y a un produit qui tombe, qui est sponsorisé pour de l'affiliation. Donc voilà, c'est intéressant. Et donc là, je suis en train donc, de recréer ce groupe Telegram où dedans, donc forcément, ce n'est pas encore fait, donc j'invite à rejoindre. Donc voilà, je partage des articles, je vais faire des vidéos comme ça, j'ai des vidéos YouTube qui tombent, des vocaux. Et ici, donc j'ai la chaîne, j'ai des questions, j'ai le groupe, il y a le e-book qui est épinglé ici, il faudra vraiment enlever tout. Donc voilà pour tout ça. Est-ce qu'il y a d'autres trucs à voir pour l'instant, d'autres questions? Je peux fermer. Alors, attends. Là, j'ai fait mon tunnel. Ah oui, je voulais voir si après je peux faire ça. Parce que du coup, là, je récupère. Là, j'ai mon tunnel devant mais pour mon e-book. Ça, enfin, je te montre une prochaine fois. Systemio, je ferai une vidéo dessus. Et donc là en gros donc j'ai mon tunnel de vente pour le e-book qui donc en gros j'ai ma page de capture, ma page de remerciement. Donc en fait quand une personne va rentrer dedans, ça va capturer son adresse mail, ça va me la mettre dans mes contacts. Donc pour l'instant j'ai juste testé avec cela, ça me met dans mes contacts et après voilà ça c'est fait depuis hier. Et donc après moi je le récupère et tout pour après faire une campagne. Là l'idée ça va être de me dire. Est-ce que avec donc, du coup, ces applets où là je stocke des données, ces groupes, c'est là, ces groupes où je vais pouvoir monter une communauté, je vais pouvoir faire quelque chose donc avec système.io, mais faire un espèce d'autorépondeur, voilà, complètement automatiser la chose. Ça va être un peu l'idée. Donc on va voir. Ça va être intéressant, donc je suis en train de réfléchir à ça. Et je vais voir un peu comment je vais pouvoir tourner ça. Voilà, ici j'ai la page Insta. Page Insta, pareil, elle sera dans la description si tu l'as pas vue. Donc là, pareil, je l'ai créé hier. Et donc tout ce qui est là, ça se poste tout seul. Poste tout seul, et donc du coup, c'est complètement automatisé. Avec donc le IFTT qu'on a vu juste avant. Donc ça se pose tout seul. Et derrière, c'est retransmis de partout. Avec ici bien sûr le petit lien pour arriver sur le canal Telegram. Très important. Ça, on verra, on en parlera, on fera quelque chose. Donc voilà, écoute, je vais pas rester pendant 35 minutes. Je fais juste un petit live comme ça pour poser les bases et après je reviendrai plus fort pour montrer de nouvelles choses. Ça, c'est un autre groupe, du coup, avec 132 000 personnes. On verra après comment on peut faire monter celui-là. Je te montrerai aussi des stratégies pour faire ça. Voilà. Facebook, bon, après, de toute façon, je te mets tout en description. Écoute, je te garde pas plus longtemps. Je voulais vraiment, vraiment te montrer ça, parce que ça, c'est super intéressant. Et puis comme ça, bah, au moins, on voit que c'est tout automatisé en fait. Là-dessus, bah, il n'y a pas de secret. Voilà, et là-dessus, ça, c'est mon message qui boucle. Voilà, bon, bah écoute. C'était vraiment la première pour moi. Désolé si j'étais pas trop à l'aise sur le live. Je reviens assez rapidement. On va essayer de refaire ça plus souvent. Bien sûr, donc comme je l'ai dit, ça va être transmis
sur Facebook, surtout sur Telegram, pardon, comme tu as pu voir avec mes apps. Je vais essayer de te montrer un petit peu comment j'arrive à bosser en off. Et puis voilà. Non, on va faire ça tranquillement. Je vais essayer de ne pas trop se mettre la pression, et puis ça va avancer. N'hésite pas, surtout si c'est pas fait, je parle surtout pour YouTube. Récupère du coup dans la description, il y a le lien du e-book, il y a le groupe Telegram, il y a l'Instagram, voilà, tous les petits réseaux pour rejoindre l'aventure. Voilà, j'étais là en 2021, mais là, 2022, on va vraiment revenir fort, on va vraiment essayer de faire quelque chose de solide. Et puis voilà, on va essayer de se mettre bien. Voilà, allez, je te dis à bientôt, ciao!